Bonjour à tous et bienvenue au Bucéphale qui nous accueille aujourd'hui, donc nous, association Mode 83. Avant toute chose, je voudrais remercier donc tous les acteurs qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Donc la mairie de Draguignan, l'association Résine, l'association Canal D et bien sûr le Bucéphale qui nous accueille. Le premier débat de cet après-midi concernera être jeune à Draguignan. Donc qu'est-ce que ça veut dire être jeune à Draguignan aujourd'hui en 2015? Et pour y répondre aujourd'hui, nous aurons donc, nous avons la chance d'avoir deux intervenants. Donc Mathilde Cougy, qui est donc élue à la jeunesse pour la ville de Draguignan. Bonjour, je vous invite à prendre le micro. Bonjour à tous. Voilà. Et nous avons donc Yvan Grasso, qui est coordonnateur enfance jeunesse à Roquebrune. Bonjour. Bonjour. Voilà. Comment on va s'articuler le débat aujourd'hui? On va essayer de faire énormément participer notre public qui est là et qui pourra essayer, je l'espère, d'apporter un petit peu des éléments pour animer le débat. Et avant toute chose, je voudrais déjà savoir un petit peu dans le public, parce que j'aimerais bien commencer avec le public directement, qui voudrait prendre la parole et qui pourrait nous dire un petit peu ce que ça veut dire pour lui être jeune à Draguignan. Qu'est-ce que ça représente être jeune à Draguignan et dans ses alentours? Est-ce que déjà on peut prendre, donc on a notre ami Yacine qui est ici avec le micro, à chef, est-ce que tu pourrais peut-être le rapprocher du public, quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour commencer ce débat? N'ayez pas peur, le micro ne mange pas, Yacine est très gentil, hein, il est, voilà, et voilà, s'il y a quelqu'un qui pourrait participer. Donc peut-être déjà en attendant, on pourrait commencer un petit peu par la vidéo d'introduction. Donc comme ça va laisser un petit peu tout le monde réfléchir à ça. Donc on va commencer avec une vidéo d'introduction, donc un micro-trottoir. Donc on allait voir les jeunes au Draguignan. On leur a demandé ce que c'était pour eux être jeunes à Draguignan en 2015. Toi, être jeune à Draguignan, ça veut dire quoi? Bonne question. Il n'y a pas vraiment de lieu où on peut faire des sorties à Draguignan. Quand on vient à Draguignan, on n'a rien à faire à part rester à la gare et aller en ville. On va chez les copains et les copines et on ne fait rien de spécial. Après, à Draguignan, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais c'est toujours intéressant, voilà, de pouvoir se poser dans un parc. Moi, j'habite dans un village, il y avait le cinéma en plein air, on faisait du foot et tout, pourtant il y avait 700 habitants. Ici, il y en a combien? Ici, il y en a 150 000 et on fait rien. Il y a des bars, mais bon, encore, il n'y en a pas beaucoup. Non, frère, il n'y a vraiment quasiment rien. On boit un coup et c'est tout. Quand on sort, on est obligé d'aller se caler dans des endroits, d'être là avec nos collègues et tout, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où aller, quoi. Tant qu'on ne peut pas aller sur Fréjus ou autre part, il n'y a pas grand-chose à faire à Draguignan, quoi, à part la médiathèque qui vient d'ouvrir. En général, ça se répète assez souvent. Quand on sort avec des amis, on va toujours au même endroit. Ouais, être jeune à Draguignan, c'est le fait d'être au lycée, d'aller inaugurer la nouvelle médiathèque pour réviser notre bac et profiter des avantages que nous propose la ville. Les gens, ils nous gueulent dessus parce que forcément, ça fait du bruit. Quand il y a une bande de 20 jeunes qui y sont, ça fait du bruit. Donc, normal, quoi. Il y a des chaises à Draguignan, mais il n'y en a pas trop souvent des activités. En fait, la plupart du temps, ils mettent juste des stades comme Chabran, en fait. Donc nous, en fait, on n'a rien à faire là-bas. Là, pour passer le temps, je faisais un foot avec mes potes. Le soir, on va à la vieille, là-bas. L'épicerie qui est ouverte jusqu'à 22h. On prend des bouteilles, après, voilà, on sort. Après, on sait qu'il y a les kebabs qui sont ouverts, donc on peut aller acheter des canettes et tout là-bas. Nous, c'est plus ouais, les petites soirées entre amis, mais bon, au bout d'un moment... Faut que les parents... On va au ciné ou on va manger un McDo en ville ou voilà. Voilà. Et le ciné, ça coûte trop cher. Il y a le skatepark, mais bon, il est un peu loin. Il n'y a pas tout le monde qui aime forcément faire du vélo, du skate ou du roller, quoi. Je fais de la danse contemporaine. Et sinon, parfois, sur Draguignan, je vais au cinéma ou au bowling. Et c'est tout. On joue aux cartes. Sinon, il n'y a rien à faire. Il y a des bars, mais on n'y va pas trop. Il faut des sous pour payer les verres. Déjà. Voilà. Ce qu'on n'a pas tous. Puis même, tous les soirs, aller boire un verre. C'est ça. Voilà, quoi. Cet été, il devait y avoir un énorme concert au niveau de la Fuchs qui a été déplacé sur Trigance. C'est et c'est vraiment dommage. Les boutiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a vite fait le tour. Le problème, c'est pas que. L'ouverture d'établissements, c'est les résidents aussi. Il y a beaucoup de résidents de Draguignan qui se plaignent, qui font des plaintes, qui machin. Au final, bon, bah, on n'y arrive jamais. Hein. On est obligé d'aller sur la côte, quoi. Fréjus, Saint-Raph, tout ça. Là, il y a des choses à faire le soir, l'été. Draguignan, c'est une ville qui a du potentiel, mais
qui se fait rétrograder par certaines personnes. Après, c'est à savoir, c'est certaines personnes, si elles veulent que la ville redevienne avec un blason d'or comme il a été, ou s'il faut rester un petit village. Voilà pour un petit peu l'état des lieux. Donc on a rencontré donc les jeunes d'Andraguignan. On peut voir qu'on a quand même des thèmes qui sont assez récurrents, des activités qui peuvent être chères, onéreuses, ce manque d'argent au niveau des jeunes. Aussi peut-être un manque de structure. On nous a parlé souvent de Chabran, du parc Haussmann ou des différents stades, mais peut-être qui sont difficiles d'accès ou alors qui ont déjà un public qui est présent. Donc déjà peut-être on peut essayer de réagir à ce qu'on vient de voir un petit peu. Donc ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce qu'on vient d'entendre ? Alors moi j'ai deux choses à dire. Est-ce que parmi les jeunes interviewés, il y en a qui sont ici aujourd'hui ? Et je ne pense pas. Donc c'est regrettable, bien parce sûr. Qu'ils ont des choses à dire, mais on ne les voit pas. Et ça, c'est pas la première fois que je l'observe, malheureusement. Déjà en septembre 2014, on avait fait une grande rencontre, on avait convié tous les jeunes. Bilan, on avait eu deux jeunes, c'était mes copains, donc c'était venu pour ça. Donc c'est un peu regrettable, parce qu'en effet, il y a des constats qui sont faits, qui sont réalistes, parce que ce que j'ai entendu là, c'est ni des mensonges, rien, c'est la vérité. Mais c'est regrettable que ces jeunes ne soient pas là pour le dire. Ensuite, la seconde chose, c'est que on ne leur a pas demandé ce qu'ils attendaient. Il y a plein de choses à faire à Fréjus, il y en a plein de choses à faire à Saint-Raphaël, c'est trop cher le cinéma, c'est trop cher si. Très bien, mais alors, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce que moi, je n'ai pas les idées pour tout le monde, et la municipalité n'a pas les idées pour tout le monde non plus. Et c'est bien, je pense, si on pouvait réfléchir tous ensemble à ce qu'on veut pour notre ville. Bien sûr, bien sûr. Peut-être un petit peu réagir, parce que vous avez plus une vision qui vient de Roquebrune, mais est-ce qu'on a aussi ces thèmes-là qui sont récurrents dans un autre bassin, même si on reste sur la même région? Alors, effectivement, de toute manière, il y a une attirance normale, j'ai envie de dire, vers un bassin qui est encore plus proche pour nous, hein, puisque Fréjus-Saint-Raphaël, en plus, c'est notre communauté d'agglomération, et les jeunes ont une facilité parce qu'il y a des transports en commun et parce que c'est moins loin que pour les Drassés et moi d'aller sur Fréjus et Saint-Raphaël. Pour autant... Oui, de toute manière, le jeune a envie d'aller aussi des endroits où il y a des choses qui se passent, où il y a du monde, de toute manière. Après, il y a un certain nombre de choses qui existent, ici ou ailleurs, à Roquebrune, à Fréjus, je suis persuadé également à Draguignan, même si c'est moins mon territoire, donc je connais moins. Il faut arriver à rentrer en contact avec la population. On sait que la jeunesse en général, même si elle est revendicatrice parfois, elle a du mal à rentrer dans des cadres un petit peu institutionnels pour pouvoir venir parler, répondre, etc., etc. Donc il faut aussi faire preuve d'imagination, se mettre un peu à la page pour pouvoir rentrer en contact avec cette population et éventuellement la questionner aussi. Bien sûr. Mais justement, on a la chance d'avoir cette population-là, donc on va peut-être essayer de la questionner un petit peu. Donc, je vais revenir un petit peu souvent vers le public, donc n'ayez pas peur, je vais essayer souvent de vous faire parler, parce que c'est un peu le but du débat d'aujourd'hui. Et j'aurais voulu savoir si on avait des réactions sur la vidéo qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord, donc qui ne le sont pas, des choses à rajouter peut-être, profiter qu'on ait justement des acteurs du milieu. Donc toujours notre ami Yacine, porteur de ce micro. Je vous invite, s'il vous plaît, à répondre un petit peu. J'aimerais savoir... votre point de vue sur ce qu'on vient de voir, un petit peu, comment, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'il y avait dans la vidéo. D'accord. Malgré moi, je suis ni jeune ni de Draguignan particulièrement, mais effectivement, c'est ce qu'on entend, on constate. Partout, à chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est toujours, il n'y a rien, il ne se passe rien à Draguignan. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication, parce que malgré qu'il peut se passer des choses, on n'arrive pas toujours à bien informer le public. Mais après, oui, je suis plutôt d'accord avec tout ce que je viens de voir. Très bien, merci. Alors peut-être qu'on peut répondre un petit peu. Est-ce que ça viendrait d'un problème de communication, ou est-ce que ça serait plus un décalage entre les jeunes et l'offre? C'est ça aussi. Est-ce que on peut peut-être répondre en public, ou sinon je me tournerai vers vous. Est-ce que ce qui dérange à Draguignan, c'est ce qu'on propose, ou est-ce que c'est le fait de pas être écouté? Qu'est-ce qui est plus pertinent? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'infrastructure, un manque de d'offres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous propose? Ou alors est-ce que de l'autre côté, c'est justement parce que vous n'êtes pas au courant de ce qu'on vous propose sur Draguignan? Là, j'ai eu quelque chose, donc Yacine, hop là, si tu peux aller vers là-bas. Parce que j'ai vu une tête se hocher, je pense qu'on a un début de réponse.
Non, moi je pense pas que le fait qu'il n'y ait rien à Draguignan, c'est parce qu'il n'y a rien qui se propose. Ouais. C'est juste par rapport au fait que les gens ne sont pas assez ouverts. À chaque fois, on entend parler que voilà, les jeunes ils font le bordel et tout. Comme il y a eu dans la vidéo, il y a un jeune qui a dit qu'il devait y avoir un festival cet été. Ouais. Il a été annulé, il a déjà été annulé l'année dernière. Ouais. C'est amnésique. Oui, voilà, ouais, voilà. C'est un festival amnésique. Donc il ne faut pas se plaindre après si les jeunes partent. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, on peut peut-être répondre un petit peu à ça. Donc on a ce souci-là. Est-ce que pour vous aussi, il y a ce souci de communication déjà en tant qu'acteur? Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec les jeunes? Deux choses. Je pense que ça va dans les deux sens. Il y a peut-être un manque de communication, c'est vrai. Il y a des informations qui n'arrivent pas aux jeunes. Mais c'est le problème de tout le monde. Nous, par exemple, aujourd'hui, on aimerait avoir 10 fois plus de monde, par exemple. Donc la communication, pourtant, vous l'avez faite, bien faite. Donc j'en viens à l'autre partie, c'est que aussi les gens parfois ne s'informent pas et ne vont pas chercher l'information. Et ça, c'est très important. On a beaucoup de jeunes qui disent qu'il n'y a rien à faire, mais qui ne se rendent pas sur la page Facebook ou sur le site Internet. Donc je pense que c'est une démarche, mais une démarche qui doit venir des deux côtés. D'accord. Peut-être en complément de ce que disait madame. Alors effectivement, de toute manière, c'est pas nouveau. Moi, ça fait 25 ans que je travaille en direction du public jeune sur Roquebrune, plus particulièrement, mais je pense que les jeunes ne sont pas très différents vu l'éloignement de nos villes. Il y a une difficulté effectivement de communication, il y a une difficulté aussi d'expression de son envie. On le voit dans le film, je ne sais plus qui le disait, quand on demande aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire, finalement, les idées précises, elles sont compliquées à exprimer, parce qu'on a envie qu'on nous prenne en considération, mais concrètement, chacun a une envie différente, une envie de concert, une envie d'un skatepark, une envie de ci, de ça, etc. etc. Et ça, parfois, c'est déjà difficile à exprimer, à être entendu, et encore plus à répondre à ça. Donc... Et puis après, j'avais envie juste de rajouter, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, il y a aussi des attentes et des besoins qui sont peut-être différentes entre les tranches d'âge. Là, dans votre reportage, il y avait un éventail assez large d'individus, et effectivement, quand on a 13 ans, on n'a peut-être pas les mêmes envies ou les mêmes besoins qu'un jeune qui a 18 ans ou qu'un qui en a 25, parce qu'on est encore jeune. Bah, écoutez, je vous propose qu'on en parle juste après, parce que je crois que j'ai une question juste derrière moi. C'est bonjour. Pas une question, c'est bonjour. Ah. Donc, Issam, formateur mode 83. Je me permets d'intervenir pour rejoindre un peu ce que disait madame, que le problème, il vient un peu des deux côtés. Déjà, la première des choses, c'est que la plupart des jeunes ne donnent pas au terme leur juste valeur. Et du fait, dès qu'on dit rien, il n'y a rien à faire, c'est faux. Il y a énormément de choses à faire. On a juste à se renseigner. La communication est mise en place. Par contre, où est-ce qu'on pourrait blâmer, entre guillemets, les autorités? C'est de lancer des projets pour les jeunes, alors qu'on n'a même pas... Ces jeunes-là n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent. Donc je pense qu'il faudrait se pencher déjà bien travailler les bases, à créer des ateliers pour savoir, pour vraiment qu'une idée se dégage de ce que veulent les jeunes en général, et à partir de là, lancer des projets, et pourquoi pas y incorporer des jeunes, et un maximum de jeunes. Dès qu'on dit jeunes à Draguignan, on a plusieurs types de jeunes. On a les jeunes qui traînent vers la gare, on a les jeunes qui sont vers Chabran, donc il y a énormément de jeunes, de bandes de jeunes. Est-ce qu'on fait l'effort? Est-ce qu'il y a eu un micro-trottoir du genre le soir? Moi, j'ai pas vu de micro-trottoir le soir pour interroger cette catégorie de jeunes qui a besoin aussi qu'on les tire un peu de cette pénombre, de ces abîmes, pour les attirer et créer avec eux un projet. Donc le problème pour moi, il vient des deux. Il y a un peu des jeunes au niveau de la communication, de l'expression, et un peu des autorités qui lancent des projets sans savoir ce que veulent vraiment les jeunes. C'est un peu comme le commercial qui veut me vendre Canal+, alors que moi je veux TPS. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci. J'ai un début de réponse. Eh bien, commençons avec un début de réponse. Alors, en juillet, là, au prochain conseil municipal, va être votée la création d'un conseil municipal de jeunes. Donc, ce conseil municipal de jeunes, il a pour objectif de réunir autour d'une table tous les jeunes draguignans qui le souhaitent, avec toutes les origines socio-professionnelles, de 15 à 25 ans, c'est notre tranche d'âge, avec 20 membres, et le but, ce sera donc d'élaborer des projets qui répondent aux attentes. Voilà.
donc toutes les informations je pourrais les donner après, mais donc voilà, ça, c'est comme vous disiez, cette, le problème d'exprimer les attentes et les besoins, on va tenter de le solutionner comme ça, avec une institution qui va être à l'écoute des jeunes, avec des moyens qui, leur, qui seront mis à leur disposition. Merci. Peut-être que vous voulez réagir. Peut-être juste, oui, réagir un petit peu aux remarques de monsieur. Je crois qu'il faut parfois aussi faire attention à ne pas faire de stigmatisation. Les jeunes qui sortent le soir et qui se regroupent en bas de chez eux ou au skatepark, c'est pas forcément parce qu'ils sont au fond du trou, etc., etc. C'est aussi parce qu'ils ont envie ou besoin tout simplement de discuter avec leurs copains. Mais par contre, effectivement, il y a une nécessité à prendre en compte leurs attentes, si tant est qu'ils... Peut-être une structure pour les accueillir le peut-être soir. Peut-être des structures, peut-être effectivement d'être à leur écoute ou des moyens. Mais voilà, c'est pas non plus... j'entends très souvent les adultes, les élus ou autres, dire « Oh, il y a des jeunes qui traînent, voilà, c'est des voyous, etc. etc. » Voilà, ce que tu la stigmatisation. Finalement, ça c'est... Si c'est pas ce que vous avez dit, autant pour moi. Je crois qu'on a une autre intervention du public juste derrière moi. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux aussi donner un petit peu mon avis. C'est vrai que dans Draguignan, on a plutôt une vision assez... certes, c'est une ville qui est, où il y a beaucoup d'habitants, mais il y a aussi une catégorie qui préfère que ça soit un peu plus tranquille. Et aussi, on a également aussi, dans les jeunes, il y en a qui sont très spécialisés, il y en a qui sont plus du côté cinéma, plus du côté foot. Par exemple, moi je suis plutôt du côté dans tout ce qui est animation japonaise et ce genre de choses. Ben, disons que pour ce genre de choses, on est plus en groupe, on a nos autres activités à nous, donc du coup forcément on ne pense pas spécialement à aller spécialement dans Draguignan. On préfère plus aller ailleurs pour faire ce genre d'activité. Donc le problème, c'est plutôt un manque de diversité des activités. Il y a des c'est activités, ça. Mais peut-être pas assez diversifiées. Tout à fait. Voilà. C'est, disons que vu qu'on dans les jeunes, il y a vraiment beaucoup de diversité, c'est sûr que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement et comment on peut combler ces besoins. Bien sûr. J'allais dire que c'est tout à fait vrai. Oui. Et que lors des Assises du sport et de la jeunesse, on m'a soumis l'idée de créer un festival du manga. Et donc voilà, très personnellement, moi je ne connais pas du tout cet univers, donc spontanément, moi si on ne me l'avait pas proposé, je n'y aurais pas pensé. De là l'importance de discuter tous ensemble et en effet d'avoir le genre de témoignage comme vous venez de faire, c'est très important je pense, parce qu'il y a une diversité des attentes. Tout le monde ne veut pas la même chose. Donc justement, ben là, je peux profiter que justement vous parliez d'un sujet qui est assez marginal. Est-ce que dans ce qui vous plaît, vous sentez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre vos demandes et ce qu'on vous offre ? Est-ce que finalement, vous avez l'impression qu'il y a des activités peut-être trop classiques et qui manqueraient peut-être de modernisme un peu dans ce qu'on vous propose ? Oui, mais après, j'ai vu aussi qu'il y avait un petit peu des efforts. Bien sûr. Par exemple, il y a eu quelques interventions, il y avait des personnes qui, justement, dessinaient un peu, par exemple, à Noël, il y en a qui essaient de faire des efforts. Et aussi, je sais qu'il va bientôt y avoir peut-être une idée de convention qui se prépare, mais malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, de propositions qui puissent convenir. Les seules choses qu'on a justement au niveau du jeu vidéo, voire même des mangas, on a la médiathèque qui propose un club manga, on a les deux magasins Addict Game et Dynamic Game, et aussi un peu la librairie qui propose quelques ouvrages. Bien sûr. Merci. Je vous écoute. Très bien, je vous remercie. Alors moi, je voulais préciser effectivement, non pas pour me dissocier, mais pour préciser ma fonction. Moi, je suis pas un élu à la ville de Roquebrune. Hein. Je suis coordonnateur enfant jeunesse et coordonnateur du conseil local de sécurité de la prévention de la délinquance. Je suis aussi responsable du bureau jeunesse, qui est pas vraiment un bureau information jeunesse, mais on propose de l'information et de l'accompagnement aussi à un certain nombre de démarches. Si je voulais préciser ça, c'est aussi parce que du coup, j'ai pas cette casquette d'élu qui veut. Enfin, voilà, on n'a pas la même posture.
Et aussi un recul sur un certain nombre d'actions qui sont faites depuis des années. On a géré des établissements qu'on appelait des maisons des jeunes. Il y a eu des accueils de loisirs jeunes. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été proposées. Alors la ville, je prenais pas bien évidemment position, mais a pas souhaité continuer d'ouvrir ces espaces-là. Mais pour autant, on réfléchit à d'autres dispositifs qui pourraient permettre aussi de répondre à la diversité qu'est la jeunesse, mais au même titre que la diversité qui nous entoure au quotidien et dont on fait tous partie. Et du coup, on essaye de structurer peut-être des offres un petit peu différentes en s'appuyant aussi sur ce qu'il y a sur le bassin, en termes d'associations, en termes d'espaces culturels, en termes de bien évidemment de propositions municipales, en termes de propositions commerciales, et éventuellement de mettre en place un genre de... Alors moi, quand j'étais jeune, il y avait des cartes jeunes, mais peut-être des choses qui seraient plus en lien avec le territoire, où les jeunes pourraient accéder, peut-être avec des tarifs préférentiels, peut-être avec des choses un peu cadrées, à des loisirs qui sont sur leur territoire. Bien sûr. Ça tombe bien, ça va me faire le tremplin parfait pour un sujet que j'aurais voulu qu'on aborde. C'est qu'il faut savoir, donc maintenant on parle de génération Y, de personnes qui sont nées dans le multimédia, qui maintenant passent un très gros pourcentage de leur vie connectée, que ce soit sur internet, les smartphones. Donc on sait qu'on a ces demandes-là de jeunes qui ont besoin d'être dans le multimédia. Comment on peut y répondre, nous, acteurs du milieu associatif, du milieu de la jeunesse, comment on peut répondre à cette demande-là en matière d'informatique, en matière de digital? Alors, il y a le très classique, madame en a parlé tout à l'heure, nous aussi, on a une page Facebook, on essaie de rentrer en lien, de travailler sur de l'événementiel et de la communication en lien avec ces supports-là. Il y a, me semble-t-il, même si ça répond pas forcément à une attente du public, mais à une nécessité de la collectivité, de mettre en place aussi contre un certain nombre de dérives qu'il peut y avoir par rapport à ces outils. Donc ça, je pense que c'est du rôle des collectivités, pour le coup, qu'elles soient locales, ou d'État, parce qu'il y a aussi une certaine forme de responsabilité par rapport à ça. Après, c'est plus compliqué, effectivement. On peut organiser un certain nombre de manifestations qui sont en lien avec ces thématiques-là, les amener à utiliser de manière pertinente les différents outils qu'il y a à leur disposition. Donc nous, on le fait plutôt au niveau des écoles, avec les plus jeunes, parce que de toute manière, aujourd'hui, quand ils ont 15 ans, j'ai envie de dire que les institutions plus grand chose en termes de technicité à leur apprendre, mais c'est plutôt dans l'âge qu'on peut y arriver. Donc commencer le plus tôt possible, du coup, on peut imaginer dès la primaire avec les TAP, les NAP, absolument. Donc tant d'activités périscolaires et nouvelles activités périscolaires. Ouais. Donc le but, ça serait d'agir directement aux plus jeunes pour pouvoir après, du coup, avoir une continuité. En tout cas, c'est ce qu'on réfléchit, ce qu'on va mettre en place, nous, sur Roquebrune. Je ne fais pas la promotion des activités de Roquebrune, mais en tout cas, il y a des sites de prévention ou en tout cas d'utilisation des différents supports qui vont être mis en place à partir de 6 ans. Et en parallèle aussi, des choses beaucoup plus ludiques sur comment on peut faire un petit film, comment on peut utiliser une tablette, comment on peut aller sur Internet en toute sécurité, etc. etc. Donc il y a un peu les deux volants, et le ludique et en même temps des outils de prévention, en direction des enfants et en direction des parents aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, bien sûr, tout ça. Bien sûr. Je vais poser aussi une petite question maintenant en public. Donc on a eu l'occasion de voir un petit peu quels étaient les problèmes sur Draguignan, quels étaient Draguignan et son bassin. Et maintenant, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que vous attendez. C'est-à-dire que moi, je suis jeune sur Draguignan, je suis jeune aux alentours. Qu'est-ce que j'attends des acteurs? Qu'est-ce que j'attends en termes d'activité ou en termes d'accompagnement? Donc voilà, je vous laisse la parole. Je crois qu'on a une intervention... Non, moi pas. Bon, je suis pas du tout jeune. Bonjour, donc Fabienne. Je voulais juste reprendre tout à l'heure parce que moi, je n'ai pas du tout la même vision et l'analyse des demandes des jeunes. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'ils disent qu'ils sont en manque d'activité forcément très spécifique par rapport à leur goût. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils manquent de lieux où ils peuvent se rencontrer, échanger. Ou justement, peut-être que ceux qui sont plus le soir à un endroit et celui qui traîne un peu plus le matin, peut-être qu'ils ont des goûts communs. Donc, je veux dire, en fait, on manque d'espace peut-être pour eux où ils peuvent s'exprimer, se rencontrer, peut-être faire des jeux en ligne, mais à côté. Et donc, du coup, pas tout à fait seuls. Sinon, on leur propose la mission locale, mais c'est pour l'insertion professionnelle, le BIGE, mais souvent, c'est pour venir chercher de l'information ou faire un CV. Et j'ai l'impression, la médiathèque, mais après, ça ferme quand même assez tôt.
et c'est parfois des lieux où tous les jeunes ne vont pas, peut-être un espace simplement ouvert où on peut discuter, se rencontrer et avoir des activités faciles. Merci. Et du coup, moi, je rajouterais aussi, est-ce que maintenant, il y a une possibilité pour les jeunes de s'approprier des lieux, que ça soit sur votre commune ou la vôtre? Est-ce que, puisque on disait qu'il y a des activités, mais c'est peut-être aussi les lieux qui manquent, comment on peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'approprier un lieu et leur donner l'occasion d'organiser aussi un petit peu est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait laisser faire, par exemple, un groupe de jeunes qui voudraient monter un club théâtre, par exemple, ou un autre club? Est-ce qu'on aurait la possibilité, par exemple, de pouvoir avoir une salle, un lieu pour pouvoir le faire? Je pense que ça fonctionnerait comme toute association qui se forme, hein, c'est-à-dire que les associations à Draguignan font le bénéfice de locaux qui sont mis à leur disposition. Donc je pense que dans une démarche de favoriser ce genre d'initiative, évidemment, la ville serait plus enclin à proposer des locaux à ce genre d'initiative, évidemment. D'accord. Donc ça serait. Et après, je pense que de toute façon, c'est dans les tuyaux, alors là, ça relève d'autres élus. Et c'est dans les tuyaux de créer des lieux ou des pôles d'activité qui regroupent le sport, la jeunesse, etc., la culture, un peu à l'idée de la médiathèque Chabran qui a beaucoup de succès, voilà, de faire des lieux dans cet ordre d'idée-là, pour que les jeunes puissent avoir un lieu pour se retrouver, justement. À Roquebrune, je le disais tout à l'heure, mais ailleurs aussi, on a géré pendant un certain nombre d'années, depuis 91, je crois, jusqu'à l'année dernière, des espaces jeunes sur les quartiers où effectivement le public pouvait venir, bien évidemment s'approprier les lieux, avec du personnel qui y était et un certain nombre d'activités qui y étaient développées. Alors ça répond, ça peut répondre en tout cas à un certain nombre de demandes, plutôt pour un public pré-ado, j'ai envie de dire, parce que je crois que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Ça nécessite aussi des compétences avéré de la formation professionnelle, parce qu'on n'encadre pas un public jeune si facilement que ça, j'ai envie de dire. Donc il y a nécessité de s'appuyer sur des professionnels qui sont un peu costauds, qui ont de la bouteille, qui ont des objectifs et du contact. Et du coup, ça a un coût aussi. On ne va pas forcément parler de budget, hein, parce que je ne crois pas que ce soit lieu, mais ça représente des coûts si effectivement on veut proposer ce type de dispositif. Et justement, en tant qu'institution, quelles sont les plus grandes problématiques, quels sont les problèmes que vous rencontrez justement dans la mise en place d'actions sur vos communes? Est-ce que vous parlez justement de problèmes financiers qu'on peut comprendre, ils sont inhérents à toutes les activités, mais est-ce que vous avez d'autres problématiques qui sont peut-être qui viennent plus des jeunes ou plus de vous? Est-ce qu'il y a un besoin de formation? Est-ce que vous vous sentez actuellement à même de répondre à leurs attentes, même si ça vous impose de devoir changer certaines actions, ou est-ce que vous aurez d'autres problématiques? Alors, encore une fois, je parle de Roquebrune, mais je crois qu'il on peut faire de la généralité par rapport à ça. Tout à l'heure, on discutait un petit peu de tranche d'âge. Je pense qu'effectivement, il y a un public pré-ado-ado qui est plutôt dans une demande de consommation de loisirs. Alors après, quels sont les objectifs professionnels que nous, on y met derrière pour permettre à ces jeunes de découvrir leur environnement, de pratiquer des temps de loisirs, mais en même temps de se préparer à leur vie d'adulte, hein. C'est un petit peu ça aussi l'objectif, d'accéder à l'autonomie, de découvrir leur environnement, de se socialiser ou se sociabiliser, etc., etc. Et puis après, je crois que effectivement, quand on arrive au lycée, on commence à avoir d'autres préoccupations. On se définit un petit peu plus aussi dans des thématiques de loisirs, parce qu'on découvre souvent de la passion, de la musique, du théâtre, etc., etc. Et donc là, moi, j'ai le sentiment qu'ils ont plus un besoin d'accompagnement, de projets individuels, collectifs. Alors ça peut être un accompagnement matériel, effectivement, mettant en place un certain nombre de structures à leur disposition, mais ça peut être aussi un accompagnement financier ou en termes d'initiative de rencontrer les bonnes personnes. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui sur Roquebrune. D'accord, bah, très bien. Vous voulez peut-être réagir? Sinon, bah, écoutez, je vous propose de regarder donc la deuxième partie du micro-trottoir. Donc on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions qui ont été posées. Donc voilà, le micro-trottoir. Déjà qui proposent un peu plus d'activités ou des journées pour les jeunes, genre je sais pas. Il y a des beaux concerts au Bucéphale et je pense que ça pourrait être
organisé aussi à l'extérieur de temps en temps, quoi. L'été. C'est pareil pour le rap et tout ça à Draguignan. Il y a plein de collectifs qui graffent, qui rappent et tout ça. Il y a beaucoup de monde. Hein. Mais bon, on les passe en avant, quoi. Il y a personne qui les met en avant. Faudrait un petit parc pour faire de la muscu aussi. Avec quelques bars ou des trucs comme ça. Des magasins tendance, des infrastructures sportives. Du karting, un paintball, des trucs comme ça qu'on peut pas faire à Draguignan. Forcément, ceux qui sont placés pour faire des choses à Draguignan, ils vont avoir trop de demandes et à la fin ils s'en foutent. Tout le monde le sait. On a une sorte de bâtiment exprès pour les jeunes qui se retrouvent. Alors il y a une play, il y a des billards, baby foot et tout, et ça c'est gratuit. Des fois ils font des sorties entre justement ceux qui sont inscrits. À la fin de l'année, on va tous dans un parc d'attractions ou justement dans des trucs comme ça. Ce serait bien, quoi. Mais après, il faudrait faire un endroit où forcément ça peut gêner personne, quoi. Qu'il n'y ait pas d'habitation autour et tout. L'art urbain et tout ça, genre le graffiti, ouais, tout ça, qu'ils fassent des choses. Parce que c'est pas tu mal. Tu tournes en rond. Ouais, franchement, ce serait bien, ouais, si on peut dire un truc, parce que s'il y a du monde qui va le voir, ce serait bien qu'ils fassent un million d'expressions à Draguignan, parce qu'il y en a beaucoup qui graffent, ce qu'ils font ailleurs aussi, j'ai participé là-bas, c'est... Le skatepark. Ouais, ils le graffent. Ils le graffent, c'est une journée en fait, ils mettent de la musique et tout ça, et on graffe. Il n'y a pas assez de journées pour les jeunes, il y a eu des trucs là, ouais. À Chabran, Urban, je sais pas quoi, des trucs... C'est sur des toiles, donc c'est différent. Ils font pas assez bouger les jeunes et après ils s'étonnent qu'on se bouffe entre nous et qu'il n'y a rien à faire, du coup voilà. Donc on était avec toujours les mêmes personnes qu'on a interviewées. Donc la deuxième question c'était: qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous aimeriez voir à Draguignan et dans ses alentours? Donc on a déjà le premier constat qu'on peut faire, c'est beaucoup des attentes d'activités qu'on appelle donc cultures urbaines, donc de ces nouvelles cultures là et donc on revient sur ce débat là, donc comment s'adapter aux nouvelles activités? Si je peux répondre exactement à votre question, en tout cas, ce qui a été dit, notamment le mur d'expression, mais on est en train d'y réfléchir, parce que c'est une très bonne idée, c'est simple à mettre en œuvre, et je pense qu'en effet, on a des talents, et que je préférerais voir de beaux graphes plutôt que des signatures pas terribles de partout sur les murs. Donc ça, je pense que vraiment, ce serait une très très bonne idée. Ensuite, concernant le rap, en effet, on a des collectifs qui sont plutôt doués. Il y avait un moment, c'est 4 chemins, tout ça, je sais plus trop. Il y a des collectifs sympas, et alors pourquoi pas faire des tremplins ou faire des concerts, on y réfléchit également. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui continue d'intéresser la ville de Roquebrune et les élus depuis plusieurs années. Alors dans le cadre des maisons des jeunes, il y avait effectivement des espaces, notamment une salle de répétition où les jeunes locaux pouvaient venir au moins trouver un espace pour répéter de manière régulière. Et avait l'occasion de se produire une fois par an à la Fête de la Jeunesse, qui est une manifestation qui est maintenant inscrite depuis plusieurs années dans l'agenda de la ville et qui se déroule chaque année en début d'été. Alors là, on est plutôt sur un public pré-ado-ado, où c'est un temps fort qui est réservé aux jeunes avec une soirée dance et la prestation des groupes locaux, des manifestations pour ces jeunes-là. Et puis là, cette année, on a souhaité aussi pouvoir proposer quelque chose au plus grand, aux jeunes et jeunes adultes. Alors effectivement, on va mettre en place une manifestation plutôt tournée autour de la musique à la fin de l'été, un peu pour célébrer la fin de l'été et puis éventuellement la rentrée scolaire ou la reprise du travail. On veut aussi, parce qu'il nous semble aussi que c'est de la responsabilité de la collectivité, lier tout ça avec une certaine forme de prévention liée au risque de l'alcool, notamment quand on conduit, etc., etc. Donc on va essayer de mixer les deux sans que ce soit trop prise de tête non plus, pour amener une touche un peu préventive, éducative à cette manifestation, mais quelque chose qui va se dérouler à la fin de l'été sur un super site à Roquebrune. Je voulais juste savoir, donc se retourner vers le public, savoir si on pouvait déjà réagir à ce qu'on vient de voir, et deuxièmement aussi, qu'est-ce qui pour vous actuellement est un frein? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche justement d'avoir ces activités-là? Si elles vous sont proposées, est-ce que vous iriez participer ou alors pas du tout parce que justement autre chose vous en empêche? Donc voilà, donc si le public, donc toujours notre ami Yacine présent aujourd'hui, donc voilà, qui passe entre vous, n'hésitez pas à demander le micro pour réagir. Donc nous, on peut aussi continuer un petit peu, et c'est ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont maintenant dans vos domaines respectifs, quelles sont pour vous les actions, ou en tout cas les objectifs qui sont principaux au niveau de la jeunesse, parce que
On propose beaucoup d'activités différentes, on propose du loisir, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement des domaines qui sont plus importants que d'autres? Est-ce que les jeunes n'ont pas des demandes qui sont plus particulières? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des loisirs, mais on pourrait aussi parler aussi de l'accompagnement. On n'en parle pas souvent, parce que quand on pense être jeune à Draguignan, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser, mais il y a aussi l'aspect accompagnement, orientation, aide au retour à l'emploi, démarches administratives. Donc comment on peut y répondre dans une commune en tant qu'association d'infrastructure à ces demandes-là d'accompagnement? Donc comment on y arrive? Quelles sont les actions? Où on peut finalement être aidé dans nos communes? Alors, c'est une question qu'on s'est posée, nous, du coup, il n'y a pas très longtemps sur Roquebrune, parce qu'on était, on avait des services qui étaient beaucoup orientés vers le loisir, et une jeunesse de plus de 15 ans qui s'y retrouvait pas forcément vraiment beaucoup. Et du coup, on a réorienté un certain nombre de moyens et proposé un certain nombre d'actions qui doivent nous permettre, avec comme objectif de favoriser l'autonomie des jeunes, qui s'y retrouvent. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce terme-là ? L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse leur proposer des espaces ou des temps où ils vont s'investir, où ils vont donner de leur temps, soit en direction d'associations, soit en direction de l'environnement, en prenant l'appel à la pioche pour un certain nombre de choses, en forêt, ou agir sur des espaces collectifs. Et en contrepartie de quoi, on leur accorde des bourses qui vont leur permettre de concrétiser leur projet personnel. Donc ces bourses, elles sont valables 3 ans, donc ils peuvent cumuler un certain nombre d'heures qu'ils vont effectuer, et la ville en contrepartie leur crée un compte virtuel, et ce compte virtuel, ils peuvent ensuite le débloquer pour payer une caution pour un loyer, pour s'acheter du matériel professionnel quand ils se mettent à leur compte, ou pour un certain nombre de choses comme ça, qui participent à leur insertion professionnelle, en sachant qu'il faut qu'ils s'y prennent un peu à l'avance et qu'ils donnent d'eux-mêmes. Du coup, justement, au niveau du public, lorsque vous avez des démarches, peut-être ça aussi ça peut être intéressant, est-ce que vous allez tout à fait naturellement, par exemple au kiosque jeunesse, au BIJ, à la mission locale, ou est-ce que c'est plus simple pour vous de chercher sur Internet, de demander aux amis, et au pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez le faire dans votre cadre à vous, ou peut-être plus se rapprocher des institutions ou des endroits qui peuvent vous aider, qui sont faits pour ça? Donc voilà, c'est la question que je voulais vous poser, et peut-être que... Est-ce que quelqu'un peut... Ah, là on a une réponse, peut-être. Bonjour. 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 Je pense que ça dépend des papiers qu'on veut faire. Quand c'est un peu plus compliqué, ben, c'est vrai que là on a la démarche de se dire, enfin moi personnellement, j'ai la démarche de me dire, ben là par contre je vais demander à un professionnel. D'accord. Voilà, mais quand c'est des choses qui sont un peu plus simples, c'est vrai qu'on a tendance à voilà, se dire, bon voilà, on fait ça nous-mêmes, on regarde sur Internet quand on sait qu'on peut trouver les réponses. Voilà. Donc c'est plus une solution de dernier secours, c'est quand on sait qu'on n'y arrive pas tout seul, on va là-bas. Pour moi personnellement, oui, voilà. D'accord. Pour me dire, voilà, quand vraiment j'y arrive pas, je sais que c'est un peu plus complexe, que oui, voilà, je fais la démarche quand même d'aller vers des professionnels. Sinon... Mais il y a quand même la demande, vous avez quand même besoin de temps en temps d'avoir une aide, quelqu'un qui est spécialisé, et oui. Voilà, c'est important. Oui. D'accord. C'est vrai que oui. Oui, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais en lien avec ce que la demoiselle disait, c'est que on a eu le sentiment que la jeunesse, certes, avait un certain nombre de facilités à aller récupérer de l'information par rapport à des thématiques précises, mais que le devoir de la collectivité, c'était de proposer dans un lieu unique la possibilité à cette jeunesse de venir récupérer un certain nombre d'informations ou de trouver dans ce lieu un certain nombre de réponses, avec peut-être ensuite une orientation si nécessaire. Mais la multiplication, le millefeuille, le nombre de portes à ouvrir, etc., etc., déjà quand on est jeune, j'espère que certains le prendront pas mal, mais je crois que c'est une réalité pour les adultes aussi, mais encore plus quand on est jeune, on a du mal à aller vers les gens qu'on connaît pas forcément. Parfois c'est pour poser des questions qui peuvent être aussi embarrassantes. Il y a nécessité à ce que on lève un certain nombre de freins, me semble-t-il. Et il me semble que une seule porte d'entrée avec des référents qui peuvent ensuite réorienter, accompagner en confiance, me semble être en tout cas une possibilité intéressante. Très bien. Donc on voit l'importance donc de l'accompagnement des jeunes. C'est vrai que c'est assez compliqué de répondre à tout ça parce que chaque cas est particulier. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des structures qui sont assez variées. Donc
On a pu voir l'importance pour certains d'avoir ce genre de structure. Comment on peut gérer, c'est-à-dire comment on en vient à se dire il faut monter une telle structure? Est-ce que ça a été par rapport aux demandes, ou est-ce que pour vous c'est totalement normal d'avoir un BIJ, d'avoir un bureau d'information jeunesse, d'avoir un kiosque? C'est quelque chose qui se fait naturellement, ou ça vient plus d'une demande des habitants? D'accord. Alors, je sais pas. Enfin, nous, la réflexion qu'on a eue sur Roquebrune, elle est liée aussi à l'expérience ou à l'histoire, hein, et puis aussi à une nécessité à bien cibler quelles étaient les actions prioritaires au regard des moyens que la ville pouvait mettre pour la jeunesse. Hein. Bien sûr. Tout est une question de priorité quand on gère une collectivité aussi, bien évidemment. Et donc, ça nous a semblé effectivement important. Outre les traditionnels accueils de loisirs qui vont jusqu'à 16 ans chez nous avec des stages sportifs, donc la possibilité de participer à des activités de loisirs encadrées, sécurisées pour les parents, pour les enfants, etc., etc. Mais d'être un peu plus opérationnel et donc effectivement au regard des moyens. Alors nous on a une particularité un peu sur Roquebrune, vous connaissez certainement un petit peu, on a trois quartiers qui sont distants de 30 km. C'est pas anodin pour une ville que de les gérer, parce qu'il y a des jeunes sur les trois quartiers, donc il faut pouvoir proposer des services identiques sur les trois quartiers, ou en tout cas à tous les jeunes. Donc pour l'instant, la ville a fait le choix d'ouvrir un seul bureau jeunesse, mais d'essayer de se mettre en lien avec la population, alors par le biais des réseaux sociaux, et on réfléchit aussi peut-être avec un bureau jeunesse mobile pour aller aussi à la rencontre des jeunes sur les quartiers, des choses comme ça. Ça sera peut-être dans une deuxième étape, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait, ça nous a semblé être une priorité, une nécessité à ce qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée pour la jeunesse. Le jeune vient là, il sait qu'on va pouvoir lui proposer une réponse ou le mettre en relation avec un tel ou un tel qui va prendre en charge sa problématique. Parce que si lui doit faire toutes les recherches, ouvrir toutes les portes, il va en ouvrir une, c'est pas celle-là. Il va en ouvrir une autre, c'est pas celle-là. Au bout d'un moment, il va s'arrêter. C'est plus centraliser les centres d'accueil pour mieux après pouvoir répartir tout le monde. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. C'est vrai que tout à l'heure, donc pour revenir, je vous parlais un petit peu de quels étaient pour vous les grands objectifs. Mais peut-être, lâcher quelques informations, mais est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu de l'avenir sur vos communes, et quelles sont les grandes actions que vous souhaiteriez entreprendre? Donc on a entendu parler donc d'un conseil municipal de jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vous tiennent à cœur, à vous ou aux acteurs de la commune, pour expliquer un petit peu ce qu'on va peut-être proposer dans un futur, j'espère, proche aux jeunes qui sont présents? Alors nous concernant, le conseil municipal de jeunes, c'est vraiment le point de départ de l'action jeunesse. On ne pense pas à l'action jeunesse sans la participation des jeunes. C'est la définition de la démocratie locale, en fait. On a besoin que les jeunes, ce qu'on va faire pour eux, ce soit eux qui viennent nous le dire et nous dire ce qu'ils attendent. Donc, en fait, à partir du moment où ce sera mis en place, vont découler des projets majeurs. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui quels seront ces projets majeurs, parce que j'attends d'avoir les jeunes racénois avec moi et avec monsieur le maire et avec la ville pour qu'on commence à faire des choses qui nous concerne, nous, la jeunesse. Donc le grand projet pour l'instant de Draguignan, c'est Conseil municipal jeune qui commencera en janvier 2016 avec les candidatures dès le 1er octobre 2015 les élections en novembre. Donc vous pouvez rappeler la tranche d'âge peut-être? Alors la tranche d'âge est de 15 à 25 ans, il faut être racénois, alors ou travailler ou vivre à Draguignan. 15 à 25 ans, il y aura un dépôt des candidatures du 1er au 31 octobre, il y aura un dossier de candidature, mais ça également on va le diffuser, il y aura toute une publicité, une communication qui sera faite au cours de septembre et également d'octobre. Une sélection des candidatures si on croule sous les candidatures, ce qui n'est pas certain, hein, puisqu'on n'a pas toujours beaucoup de jeunes. Et dès janvier 2016, on peut mettre ça en place avec des commissions, des salles qui seront mises à disposition du conseil. Voilà. D'accord, merci. Et du coup, donc de votre côté, sur Roquebrune, donc dans votre structure, peut-être un peu des nouvelles actions ou alors des actions que vous faites depuis longtemps, que vous voulez continuer? Peut-être nous présenter un petit peu, peut-être des choses plus spécifiques, ou en tout cas l'avenir du coup de la jeunesse sur Roquebrune et son bassin. Alors, moi je pense, en tout cas c'est ce que je décode dans la volonté des élus, puisque c'est ce qu'ils me demandent de mettre en place. Hein, c'est qu'il y a une volonté effectivement de mieux accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, donc de développer des outils qui vont permettre à ces jeunes d'être acteurs de leur avenir.
Donc tout à l'heure je parlais des chantiers, on a développé un certain nombre de chantiers avec des bourses, ils peuvent obtenir des bourses à l'aide pour l'aide pour passer le permis de conduire, pour passer le RBAFA, pour se constituer des bourses pour leur propre avenir personnel. Il y a un certain nombre de manifestations, on en a parlé. Tout à l'heure j'ai parlé de la carte jeune pour les loisirs. Moi j'aimerais que, alors c'est une discussion qu'on va avoir avec les élus de Roquebrune, même si c'est déjà enfin, il y en a déjà certains qui sont courants. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un territoire et que les frontières aujourd'hui, pour les collectivités, pour les élus, mais déjà pour les jeunes et depuis bien longtemps pour la population, elles vont bien au-delà des communes. Et il y a une nécessité, même si dans les faits, c'est parfois compliqué parce que les prérogatives, les compétences ne sont pas forcément tout à fait celles qui existent. Il y a une nécessité à voir le territoire de vie des jeunes au-delà de celui de la commune du jeune. Parce qu'effectivement, on l'a vu dans le reportage, eh ben, ils vont à Fréjus, ils vont à Saint-Raphaël, ils vont à tel endroit, parce que c'est là où il y a le lieu où ils ont envie d'aller pour X raisons, parce qu'il y a la manifestation. Et donc, il faut, à mon sens, que les élus aussi prennent conscience de ça. Le territoire de vie des jeunes, comme le territoire de vie des adultes, c'est pas que la commune. Et il faut peut-être envisager et apporter des réponses qui vont dans ce sens-là aussi. Du coup, pour rebondir, pour vous, quelle est l'importance du contexte local en tant que jeune? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que les problématiques qu'on a sur Draguignan sont les mêmes partout en France? Ou est-ce que notre contexte, le fait qu'on soit quand même une région qui est très touristique, donc où il y a quand même beaucoup d'infrastructures dans ce sens-là, est-ce que c'est finalement pas un frein aussi le fait d'avoir un état d'esprit aussi qui peut être différent? Comment on peut gérer ce contexte local-là avec les jeunes dans les institutions? Moi, j'allais dire que lorsqu'ils vont hors de Draguignan, c'est pas tant parce que les autres villes proposent des choses, c'est parce qu'il y a des opérateurs privés, des sociétés, des commerçants, etc., qui les intéressent. Par exemple, un parc d'attractions, par exemple, des bars en bord de plage, par exemple, un karting, un paintball. Mais ça, c'est des gens privés, ce sont des sociétés privées qui le font. Donc, c'est quand ils vont hors de la ville, c'est aussi pour ça. C'est pas parce que Fréjus ou Saint-Raphaël proposent des événements hors du commun que ne proposerait pas Draguignan. Je ne pense pas en tout cas. Ah. Mais Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît, parce que c'est très intéressant. Je ne suis pas très habitué au micro. C'est pas grave. plutôt que de créer des nouvelles structures, des nouveaux locaux, ce serait pas plutôt au pouvoir public locaux, justement, eux, de soutenir les entreprises privées pour que ce soit plus facile dans leur manière de vivre et dans leur... Ça permettrait d'augmenter à moindre coût pour la commune ou pour je ne sais quelle entreprise... Institution. Institution, voilà, merci. Ouais. Mais de soutenir les acteurs privés. Alors, c'est ce que fait la ville de Draguignan. Actuellement, vous avez notamment la rue de Trans qui va devenir une rue artisanale avec des baux qui sont mis à disposition pour des prix symboliques ou très bas à des personnes pour qu'elles se lancent. Donc ça, c'est de la création encore. Pardon ? C'est de la création. Mais en effet, il faut le retenir et nous en parlerons. Mais je pense que c'est déjà dans les tuyaux et que le but, c'est la relance de l'activité et de l'activité commerciale dans Draguignan. Comme tout à l'heure, au début, j'entendais les jeunes... Il y a quand même une vraie offre à Draguignan, que ce soit culturel, que ce soit animation, que ce soit... et c'est des acteurs privés qui l'ont fait jusqu'à maintenant, en grande partie, même si depuis quelques temps, c'est vrai que la commune essaie de bouger aussi, l'inertie d'avant. Mais voilà, c'est en soutenant... Ces gens qui ont essayé de s'installer et d'essayer de faire vivre la ville à un moment où on essayait plutôt de faire que ça ne vive pas. Mais c'est une priorité, hein, parce que redonner vie au centre, au cœur de ville, avec des magasins qui soient ouverts et non des devantures fermées, ça fait partie des priorités ville. Et ça me paraît éminemment important. Voilà, parce que quand on se balade sur la place du marché, de voir qu'il y a au moins une vitrine sur deux qui est fermée tous les jours. On est tout à fait d'accord. C'est catastrophique. Merci pour votre intervention. Donc, je pense que ça sera la dernière intervention pour ce débat. Donc,
Si vous n'avez rien à rajouter, je vous propose de conclure, donc conclure un petit peu sur ce débat-là. Donc qu'est-ce que ça signifie, donc en quelques mots, être jeune en 2015, et quel est le message qu'on veut passer aujourd'hui à la jeunesse, qu'elle soit dressénoise, roquebrunoise, ou en tout cas du terrain, enfin, voilà. Me concernant, c'est la ville entend vos doléances, mais venez nous les formuler lorsque le conseil municipal des jeunes sera mis en place. Parce que trop souvent, on entend des doléances et on ne voit pas les gens. C'est regrettable. Voilà. Merci. Je ne sais pas trop quoi dire en conclusion. Moi, j'ai, avec un peu l'expérience de ces 20 dernières années, je n'ai pas le sentiment que la jeunesse elle soit si différente il y a 10 ans qu'aujourd'hui, qu'elle n'ait pas forcément les mêmes attentes. Je crois qu'il y a une nécessité, effectivement, des collectivités d'accompagner sa jeunesse. C'est pas le miroir aux alouettes non plus. Hein. Je crois qu'il faut leur faire prendre conscience qu'il y a des réalités aussi. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Quand on propose des loisirs qui coûtent zéro, c'est pas la réalité non plus. Je crois qu'il faut que tout le monde ait bien les pieds sur terre, mais qu'après effectivement on puisse leur proposer des temps de découverte, de loisirs, d'apprentissage, de prévention. Oui, je pense que c'est un des devoirs des collectivités locales. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Je remercie aussi le public. Donc je pense qu'on peut tous applaudir le public et les intervenants. Voilà. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le deuxième débat, donc les inondations 5 ans après. Et à moi la conclusion. Donc les jeunes, n'hésitez pas, votre voix vaut autant que celle de la nôtre. Bonne journée et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.